Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis mariée depuis 25 ans et mère de quatre enfants de 16 à 25 ans. Je suis une maman à la maison. J'ai fait par choix. C'est sûr qu'au départ, j'avais déjà une formation en éducation, mais j'ai préféré rester près de mes enfants. Je pouvais les accueillir sur l'heure du dîner, leur préparer des repas. Donc, j'avais du temps pour toute cette belle famille. Donc, je m'occupais des activités, surtout des transports pour les activités parascolaires, les activités aussi au niveau de l'école. Je pouvais être bénévole pour l'école, ça, c'est ce que j'adorais. Puis aussi pour la paroisse. Je donne des catéchèses maintenant depuis 15 ans à la paroisse. C'est sûr que les enfants, maintenant, ils ont grandi. Il a fallu que je me trouve un autre sens à ma vie, que je m'occupe par moi-même. Donc, c'est drôle parce que j'ai une amie qui m'a appelée. À cette période, c'était plus difficile pour moi. Donc, je reçois un appel, puis elle m'invite, comme ça, par hasard, à une retraite. J'ai dit, pourquoi pas? Arriver là-bas, pour moi, c'était vraiment l'inconnu, une retraite. J'avais jamais vécu ça, là. Puis, ce que j'ai aimé là-bas, là, c'était vraiment l'accueil, la façon que j'ai été accueillie. Tu sais, je me suis sentie tout de suite dans une famille. Donc, j'ai pris le temps là-bas de prier et de me rapprocher du Seigneur que j'avais laissé depuis quelques années, là. J'avais mis de côté, mais là, j'avais envie de faire une pause dans ma vie. Alors là, ça a été pour moi le coup de cœur. Bien, suite à ma retraite spirituelle, j'ai eu envie de m'impliquer. Alors l'été, dès le mois d'août, il y avait le camp Val de Ry. L'automne suivant, j'ai fait de la demande. Hein, je voulais être coopératrice parce que déjà, je commençais à m'impliquer pour le camp. J'ai voulu prier pour l'œuvre parce que je trouvais que c'était une belle façon de m'impliquer. Mais j'en voulais plus. Je désirais plus que ça. Donc, un an plus tard, j'ai fait ma demande. Je voulais avoir de la formation, je voulais connaître encore plus l'œuvre, me rapprocher de Dieu, hein, que je m'étais éloignée toutes ces années. J'ai reçu c'est ça, une invitation, vraiment un privilège de pouvoir aller à Rome pour recevoir une formation. Une formation habituellement que je suis à Montréal, mais là c'était vraiment à Rome. Mon mari qui n'est pas pratiquant, mais qui voit tous les bienfaits de l'œuvre, tout ce que ça m'apporte. Avec lui, ben, on en a discuté, puis il m'a aidé, il m'a vraiment dit, vas-y, pourquoi pas. Et puis là-bas, mais il y avait, nous étions une quarantaine de femmes de partout dans le monde. Du Liban, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que l'œuvre était grande. Hein? J'ai vu des différentes cultures. Hein? J'ai pu partager avec d'autres femmes ce que je vis ici même au Québec. Hein? Au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du couple, on a pu partager ça. Puis l'œuvre, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Mais je l'ai vu dans le regard des autres femmes, hein, peu importe le pays d'où on vient, on voit que c'est universel. Mon époux partage avec moi c'est ça, ma joie et voit l'importance que ça a dans ma vie, sans nécessairement lui s'impliquer dans l'œuvre ou même assister avec moi à la messe. Il voit que je suis une femme épanouie, puis il voit les valeurs que ça apporte. Il voit l'amitié que j'ai, que j'entretiens avec les amis, avec les femmes de l'œuvre et tout ça. Je prie beaucoup pour lui, mais qu'il me suit pas, je sais qu'il accepte, qu'il n'a pas besoin d'être là à chaque moment, à chaque instant dans mes activités, mais qu'il me soutienne. C'est déjà très beau. Qui me soutiennent dans mes catéchèses. Hein? Dès le début, les enfants, j'ai donné les catéchèses aux enfants. J'accompagnais mes propres enfants. Mes enfants ne pratiquent pas non plus. Mais je ne me décourage pas. Je sais que Dieu aura un plan pour eux aussi. Comme moi, c'est arrivé tard dans ma vie que j'ai vu ce signe-là. Hein? Mais
pour mon mari, ben c'est juste qu'il est là, c'est ça qui me rend heureuse, qu'il soit près de moi.